Officiellement célibataire, Kev Adams voit sa vie amoureuse faire l'objet de nombreuses rumeurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la dernière en date n'a pas manqué de le faire réagir. En effet, un magazine n'a pas hésité à lui prêter une relation secrète avec Indira Ampio, Miss France 2023. À ce stade, je suis Geneviève de Fontenay. Kev Adams s'est immédiatement emparé de son compte Instagram afin de réagir à cet article. Et sa réponse est particulièrement drôle. Je suis épuisé. Ça devient too much. À ce stade, je suis Geneviève de Fontenay. Demain, ils vont m'apprendre que je suis enceinte, a-t-il lâché. L'humoriste précise au passage qu'il ne connaît absolument pas la jeune femme qui a été sacrée Miss France il y a tout juste un mois. Kev Adams @Instagram Kev Adams face aux rumeurs. Vous l'aurez compris donc, Kev Adams et Indira Ampio ne sont pas du tout en couple. En revanche, ce n'est pas la première fois que le comédien se voit prêter une relation amoureuse avec une Miss France. L'année dernière, on l'avait dit en couple avec Diane Ler, Miss France 2022. Là encore, il avait réagi à la rumeur avec beaucoup d'humour. Il n'y a que moi à qui ça arrive, que je ne suis pas au courant de ma vie. On m'apprend des trucs sur ma vie. Mais pourquoi ma vie fausse, elle est mieux que ma vraie vie. Avait-il lâché dans une vidéo partagée sur Instagram. Kev Adams préfère rire de ses rumeurs. Il avait d'ailleurs confié à l'époque, lors d'une interview pour 50 Minutes Inside, il faut dédramatiser tout ça. Je pense que si est important. Il y a 10 ou 15 ans, je me serais dit, waouh si est un mensonge. Aujourd'hui, je m'en fous, si est rigolo. Ils sont en train de dire que je sors avec une super jolie fille, je vais pas faire la gueule. Au contraire, je trouve ça cool. Ses tendres confidences sur Iris Mittenaar. Si Kev Adams n'a jamais été en couple avec Indira Ampio, ni Diane Ler, il a en revanche bel et bien fréquenté une célèbre reine de beauté. Cette dernière n'est autre que la sublime Iris Mittenaar. Une histoire d'amour qui se conjugue au passé, mais sur laquelle le comédien s'était confié en 2019, dans les colonnes de Paris Match. Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation, j'ai toujours beaucoup d'amour pour elle. Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés, mais quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'un an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain, confiait-il à l'époque. Iris Mittenaar et Kev Adams @bestimage depuis, l'ancienne Miss France a refait sa vie avec Diego El Glaoui, qu'elle s'apprête à épouser. Quant à Kev Adams, il est particulièrement discret sur sa vie sentimentale. A-t-il retrouvé l'amour? Mystère.